Les amis, ne dites jamais que vous avez déjà tout vu tant que vous n'avez pas encore vu ce que vous n'avez jamais vu. Regardez cette image-ci. On nous dit souvent, avec des images qu'on a l'habitude de regarder, que ce sont les signes de la fin des temps. Je ne sais pas donc si c'est ça, réellement, la fin des temps que nous sommes en train de vivre en direct. Je ne sais pas si c'est une mosquée, c'est dans une mosquée que nous sommes en train de vivre tous ici, ou bien si c'est dans un lieu privé. Je ne sais non plus comment on va appeler celui qui est en train de délivrer, de chasser les démons sur... je ne sais pas si ce sont les musulmans, hein, je ne sais pas. Parce que j'ai peur de prononcer le mot musulman et avoir les problèmes avec les musulmans. Parce que je ne sais pas si ce sont les musulmans que je suis en train de voir là. Nous sommes déjà habitués avec les révérends, les pasteurs, les prophètes dans les églises de réveil. Là, ça ne nous surprend même plus. C'est devenu même normal. Je ne sais pas où c'est dans quel pays que nous sommes en train de vivre vraiment tout ceci. Je ne sais pas s'il y a un musulman qui nous écoute, qui nous suit là, qui peut nous expliquer vraiment ce que nous sommes en train de vivre là. Parce que depuis qu'on m'a envoyé cette vidéo, j'ai regardé peut-être 5 fois. Question de voir si ce sont que les chrétiens qui se sont, qui sont les chrétiens qui sont masqués, qui sont habillés comme les musulmans pour faire cette comédie que je suis en train de voir, ou bien si c'est une nouvelle forme de délivrance chez les musulmans. Bon, je ne sais pas, je me pose mille et une questions. Question de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a déjà les mosquées de réveil. Nous, on sait que les églises de réveil, pour l'autre là, tout le monde connaît les églises de réveil. Avec tous les pasteurs que nous avons ici dehors, qui ont tous les noms. Mais, c'est ma toute première fois de voir, je ne sais pas, je ne veux pas dire l'imam, je ne veux pas dire un imam. Je ne sais pas si c'est l'imam ou comment on les appelle. Je ne sais pas si sont les musulmans ou on les appelle même qui on va appeler celui-ci qui. Je ne sais pas. Vraiment, les gars, regardez comment. Yeah. Bon, excusez-moi le terme musulman. Hein. Je ne sais pas si sont les musulmans. Ils sont en train de faire déjà des choses de harakatakata On tourne. Si vous comprenez l'audio, si elle met l'audio, j'ai seulement peur que soit YouTube, soit Facebook peut sanctionner ma vidéo. Il dit que si vous entendez le son, vous entendez la délivrance, le son de la délivrance. Si quelqu'un veut ça, il me prend eBay, je l'envoie. Prenez-moi sur WhatsApp, je vous envoie le son eBay. Les amis, comment on appelle vraiment ça? Avant de vous présenter une autre image, une seconde image qui est plus grave que celle-ci. Regardez cet extrait de spot publicitaire. Je vous invite à venir faire vos achats à Yoko Service. Je ne sais pas, mes amis qui sont de la diaspora, vous avez l'habitude d'envoyer peut-être l'argent à vos membres de famille ici. Peut-être on ne fait même pas vraiment ce que vous voulez. On n'achète pas vraiment les fournitures comme il fallait. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, en fait, comme Franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora là, finis avec les anas, les oncles et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiant toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie.
Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide. Très bien, vous avez écouté le spot de Yoko Service. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo pour vous demander d'aller vous inscrire sur la liste électorale comme moi. Mais je vous assure, personne n'a partagé la vidéo et la vidéo n'est même pas regardée. Or, quand je vous présente une vidéo qui présente où c'est l'imam ou c'est qui en train de faire les délivrances, les gens regardent jusqu'à la fin. Vous allez voir même les commentaires. Pourquoi vous faites ça? Après, vous allez dire que oh, vous ne parlez pas de ci, vous ne parlez pas de ça. De toutes les façons, inscrivez-vous sur la liste électorale et je ne vais plus entendre ou bien lire un commentaire sur ma page. Quelqu'un vient dire que Franco, fais ceci, fais cela. Voilà. Vous êtes responsable, donc vous êtes fier de ce qui vous arrive. Pardon, excusez un peu ma vie. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.